Mesdames et messieurs, je vous prie de bien accueillir son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellence, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, savoir Monsieur le Directeur de cabinet, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence, Mesdames et Messieurs les journalistes, aussi bien de la presse écrite que des médias audiovisuels et des médias en ligne. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui au palais de Beit Salam et vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue pour clore cette série de cérémonies de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État. C'est autant un plaisir pour moi de vous recevoir tout comme les membres de la coordination de la communication de Beit Salam, car nous sommes amenés à échanger, à collaborer et travailler chaque jour pour l'intérêt du pays. Au cours de cette cérémonie, je ne vais pas être long, nous commencerons par la traditionnelle Fatha. Conseiller, s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner la Fatha et venir me réciter par vous la Fatha. Donc, je vous invite à nouveau, monsieur le conseiller chargé des affaires religieuses, pour nous lire un extrait du Saint-Coran, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله أكبر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله أكبر يا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Merci, monsieur le conseiller. À titre de rappel, nous recevons aujourd'hui tous les journalistes, comme je l'ai précisé, de la presse écrite, des médias audiovisuels et des médias en ligne, des médias privés comme publics, des organisations syndicales, des journalistes. Je vois ici le président du bureau sortant du Saint-Père, bienvenue. Et pour s'exprimer au nom de vous tous, j'appellerai votre consoeur, Andjusa Ouher, pour quelques mots, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de l'Union de Comores, Azali Assoumani, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, chers confrères et consoeurs journalistes, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, assalamu alaikum. À l'occasion de ce nouvel an 2023, nous tenons à vous présenter, Excellence, Monsieur le Président, nos voeux de santé et de bonheur, que l'année 2023 nous apporte santé et réconfort et nous mène vers le chemin de la liberté. Tout d'abord, permettez-moi, Monsieur le Président, d'avoir une pensée pour notre regretté confrère Ali Abdou, décédé le 12 décembre 2020. Le syndicat des journalistes a commémoré il y a 4 semaines la disparition de son premier président dans des circonstances troubles et a demandé par la suite l'ouverture d'une information judiciaire. Une doléance qui reste jusqu'à présent lettre morte malgré nos multiples protestations. 2 ans à 1 mois, jour pour jour, depuis que notre confrère nous a quittés. Et malgré l'obscurité qui entoure les circonstances de son décès, la justice a bâclé et classé sans suite cette affaire. Aujourd'hui comme hier, nous réclamons que lumière soit faite sur les circonstances du décès prématuré de notre premier président, paix à son âme. Nous demandons solennellement, Monsieur le Président, au premier magistrat que vous êtes, de faire en sorte à ce que la mort de notre confrère ne reste pas impunie et qu'il nous faut vous arracher cette promesse aujourd'hui, ici, maintenant, que tout sera fait pour qu'enfin nous comprenions pourquoi notre frère est mort aussi dramatiquement. Monsieur le Président, l'année 2022 vient de s'écouler sans emprisonnement de journalistes, un fait très rare pour être souligné. Et nous espérons qu'il sera de même pour 2023. Nous déplorons quand même les agressions faites aux journalistes par les forces de l'ordre. Le 4 juin 2022, notre consoeur de Haïba FM, Tahmi Damzé, a vu son téléphone, son outil de travail, être endommagé gratuitement par un agent de la force publique. Nous, les journalistes, nous avons été chassés de la place de l'indépendance. Il faudrait, Monsieur le Président, que vous expliquiez à vos anciens frères d'armes. Assurément, ils écoutent quand vous leur parlez, que les journalistes ne sont pas des acteurs et qu'il faudra enfin qu'ils nous laissent travailler. Monsieur le Président, nous avons assisté ces derniers mois à des mesures peu orthodoxes prises contre des journalistes dans les 2 principaux médias publics, à savoir la radio et télévision nationale RTC et Aguatone. Les sanctions en question se résument par une ponction délibérée de leur salaire sans le respect du cadre légal. Nous demandons la fin de ces pratiques qui fragilisent le statut du journaliste dont le moyen de subsistance reste encore et toujours vulnérable. Hier encore, une jeune journaliste, Sophia Assani, a été suspendue
par la direction de l'ORTC sur la base d'un conseil de discipline qui n'a pas été mis en place. De façon générale, la direction de l'ORTC sanctionne sans jamais suivre les règles. C'est devenu la règle d'ailleurs. Hier, Sophia, avant-hier, Hussein Mahamoud, en tant d'autres, sanctionnés avec des pensions indues sur leur maigre salaire sans qu'ils aient pu s'expliquer, il faudrait que vous parliez à la direction de cette boîte. À l'ORTC, il ne s'agit pas que de sanctions injustifiées ou disproportionnées, prises en dehors de tout cadre légal, une information faisant état d'attouchement, évidemment non consenti, par au moins un homme, un supérieur, sur des jeunes femmes, évidemment de position hiérarchique inférieure, nous a été remontée. Nous savons aussi que ce même homme promet des promotions à ces jeunes femmes si elles se laissent faire. Nous dénonçons vigoureusement ces pratiques indignes et faisons savoir à ces auteurs qu'ils entendront parler de nous et que nous nous plaçons d'ores et déjà aux côtés des victimes. Monsieur le Président, vous m'excuserez d'être longue, nous n'avons pas souvent l'occasion de vous faire connaître nos doléances. Au début du mois de janvier de l'année dernière, vous avez promulgué le nouveau code de l'information. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler que vous avez pris l'engagement devant nous, à cet endroit précis, à la même période, de subventionner les médias privés pour mieux les accompagner dans leur développement. Malheureusement, Monsieur le Président, cette promesse se fait toujours attendre. Par conséquent, ces médias risquent de mettre la clé sous la porte. Excellence, malgré cette promulgation, le chemin reste encore long pour améliorer l'environnement de la presse au Comore. Nous présentons les 5 doléances suivantes et en ordre de priorité. La remise sur pied du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA, dont les mandats de membres actuels est expiré depuis maintenant 4 ans. C'est une grande urgence pour nous. La reprise des activités de la commission de la carte de presse, suspendue faute de moyens, après les 2 premières sessions organisées en juillet et novembre 2018. La mise en place rapide d'un cadre de concertation qui permettra de concrétiser les fonds d'appui à la presse prévus par le nouveau code de l'information. Le soutien à la presse privée est pour nous une obligation pour la vitalité de notre espace démocratique. La reprise des activités de la radio Mwali, suspendue depuis maintenant 2 ans par le directeur général, pas de directeur général autant que moi, ni de programme en marche, ce qui cause un préjudice énorme en matière d'information sur l'île. Nous saisissons l'occasion pour vous demander à nouveau d'intervenir auprès du chef de l'exécutif de Djoumbé Fatima afin que la situation rentre dans l'ordre. Nous demandons enfin des mesures rapides pour réguler l'exercice de médias en ligne en assurant la liberté d'informer dans des conditions dignes et respectueuses de la loi. Monsieur le Président, certes, vous avez nommé un homme relativement jeune à la tête d'Aboitone. Il semblerait que vous vouliez apporter du sang neuf. Mais le meilleur sang neuf que vous puissiez apporter à Aboitone et à l'ORTC, c'est l'ouverture de ces médias d'État à toutes les tendances politiques, que les journalistes soient libres d'exercer leur profession. Il faudrait expliquer à chacun de vos ministres, à chacun de vos directeurs, qu'un média financé par l'État n'est pas un canard du gouvernement. Il faudra peut-être insister pour qu'ils vous comprennent. Il faudra aussi dire à ces mêmes ministres qu'il est temps que cessent les intimidations aux journalistes. Il y a encore 2 mois, un des membres du bureau du syndicat en avait fait les frais. Nous insistons sur ce qui se passe à la radio Mwali. Nous vous rappelons encore une fois, Monsieur le Président, que l'unité d'un pays passe aussi par sa capacité à traiter tous ses enfants de la même manière. Mes meilleurs voeux, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci à vous. À titre informatif, j'inviterai à présent le président de la République pour énoncer et nous poursuivrons par un point de presse. Thank you.
بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Nous remercions ça, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous cette année encore et prochainement, Inch'Allah, à l'occasion de cette cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2023. Et c'est un réel plaisir pour moi de recevoir les vœux chaleureux vous formulez pour moi-même, ma famille et le gouvernement comorien. Et c'est avec le même plaisir que je vous adresse les miens. Comme il est de coutume de le dire, la presse est le quatrième pouvoir d'un pays, ce qui prouve l'importance que vous avez, mais aussi la grande responsabilité qui pèse sur vos épaules. Ainsi, j'ose compter sur vous cette année encore pour contribuer aux efforts en cours afin que notre pays puisse prendre le chemin de la croissance et du développement dans la paix et la stabilité. Il est de notoriété publique qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et du monde virtuel, l'information n'est plus ce qu'elle était et c'est du fait des dérapages qui se multiplient malheureusement au détriment de cet important métier. Je compte alors sur le professionnalisme que vous êtes pour renforcer la lutte contre ce fléau qui porte préjudice à notre pays, mais aussi à votre noble métier. Mesdames et messieurs, notre pays en pleine mutation et de nombreuses actions sont menées sur tous les plans pour promouvoir la paix et la stabilité, réaliser notre vision de l'émergence à l'horizon 2030, mais aussi affirmer notre présence sur la scène internationale et continentale. Ainsi, s'agissant de l'évolution de la situation économique, comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Toutefois, nous avons enregistré un taux de croissance positif de 0,2% grâce à la maîtrise de la pandémie et à l'augmentation de la production intérieure, notamment les produits agricoles. L'année 2021 a été une année de reprise de l'activité économique avec une croissance de 2,2% grâce à la levée partielle des mesures de restriction, notamment l'ouverture progressive des frontières. Les entrées de devises formelles ont augmenté de 25% entre septembre 2021 et septembre 2022. Cependant, la hausse généralisée des prix des produits de première nécessité au niveau mondial suite à la guerre en Ukraine, à la forte demande mondiale post-Covid, n'a pas malheureusement épargné notre pays. Le niveau de vie du Comorien a été par conséquent lourdement impacté depuis le deuxième semestre 2022 avec une inflation moyenne de 12,2% en 2022 contre des niveaux d'inflation ne dépassant pas généralement 3% dans les années précédentes. Ainsi, à l'instar de certains pays africains, le gouvernement comorien a pris certaines mesures pour atténuer l'inflation, ce qui a permis de limiter la hausse des prix de certains produits de première nécessité. L'État a également pris des mesures de subvention qui ont coûté et ont engendré un manque à gagner de près de 20 milliards de francs comoriens dans son budget au second semestre 2022. Pour pallier ces crises monétaires dans le futur, nous devons, entre autres produits, sur place, les produits avicoles, carnés,
augmenter les capacités de stockage et de poissons pour lutter contre les prix saisonniers et éviter des pénuries. Nous devons aussi prendre des mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie de la population et c'est dans ce sens que j'ai procédé hier, 16 janvier, à la signature du décret portant augmentation du poids d'indice des fonctionnaires de 1600 à 1800. Il faut rappeler que la dernière augmentation de ce genre remonte à l'année 1994 et le poids d'indice était passé de 1500 à 1600. S'agissant du domaine de la diplomatie, nous avons mené une activité diplomatique sans précédent durant toute l'année 2022. En effet, je me suis entretenu avec nombreux de mes collègues, avec de nombreuses institutions internationales pour solliciter leur accompagnement au plan commémorant, mais aussi pour affermir notre partenariat bi- et multilatéral. Cette immense activité diplomatique nous a permis de recevoir un soutien considérable à notre plan de relance à travers d'importantes annonces de financement additionnels. Elle nous a également permis d'être aujourd'hui sur le point d'accéder à la présidence de l'Union africaine, un événement historique qui fera honneur à notre pays. Je compte alors sur chacun d'entre vous pour nous apporter votre contribution afin que ce mandat puisse se dérouler dans les meilleures conditions, dans l'intérêt de l'Afrique et du reste du monde et la fierté de l'Union des Comores. Concernant la presse et les médias, je suis fier de rappeler qu'à ce jour, personne n'est empêché de s'exprimer. Aucun journaliste n'est en prison. Le code de l'information que vous avez vous-même participé à l'élaboration protège mieux la profession. En outre, la protection des sources d'information que vous réclamez est également respectée et la liberté de la presse et de la radio, de la télévision, ainsi que les autres formes de diffusion, de production et d'information ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. Je reconnais que des efforts de restriction des médias publics ainsi que des médias privés sont urgents et nécessaires pour améliorer le cadre de travail et le niveau de vie des journalistes et je reste confiant que ce travail se fera dans la sérénité entre vous et les autorités compétentes du pays. C'est dans ce sens d'ailleurs que j'ai signé ce matin le décret portant nomination des membres du CNPA et de leur président pour mieux réguler le secteur. Mesdames et messieurs, il vous revient du devoir d'éclairer nos patriotes, mais aussi ceux qui vous suivent à l'étranger, sur ce qui se passe dans notre pays. Il nous revient également le devoir de contribuer à rehausser l'image de notre pays, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et je voudrais par ailleurs rappeler que le gouvernement a toujours soutenu la presse et les médias, en vous apportant les appuis et les subventions nécessaires au bon fonctionnement de vos institutions. Nous allons poursuivre cet engagement car nous sommes conscients de l'importance de votre noble métier. Et pour conclure, je vous renouvelle mes vœux de bonnes et heureuses années 2023 et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur les actions en cours, nos respectives et nos attentes. Je vous remercie. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
Inadi harumaye tatibuyu. Akahale ririthi kaya supa ora metisala mabana rupia wajabala bakandu araru wani warumu. No tablo karbiso wangu mwasea samwadi. Latabaka unu shabaha. Alazimur donana wakati ula wangu wa badili wazungu wangu wa ishanji. Ezavira nezoka ujeka mwabeti. Yoke joru husu, haini wanu wa shindi wa jitekelezi. Kasku yuka ukabu, katarabu kabu la answiri, basi wanda rongo wa rogo wa sanju susiwa, wa sanju wa soroha. Sha ranzi le 2 janvier hata lewenu le 17. Ngarrega wanu hata tenendwa na mali. Wena mna umonisani ukaya gasta yari, rike karbu na nyu. Aukale weinu, yemihima hanyu, yu ya hatu. Na jaribu kuhaya hatu, yu ya hanyu tena kamu. Ingabo kale nuri tsanganyihe rangalie zwala muzi fanye ho unro wa hinzi hapa hafeni wa ukaya haino akati nti jo unra abosika jo kuda sun speaker mu kwenzi ukaya haini utyo shida unra tanga romba mungu kaya izwa kumarwa baka kairi uona ndo ana unra ni ro ikakuja ni unra ndo ba hasha uone ndo aho luka ni mwana aho ni mchuhu wa kendo ujiviwa kamizi mu kwenzi. Na hiyo kalima muhimu, akasima isilamu, hunu mru na jibi wa hatabi yonogu ya rende, chako mahala maziro, kukongu ujua, joka ujiri hivo, ekambwe leo mru kashinibe habaru huwa. Mangele o kairi wona andwano hondwani, nodo awe mwana, awe mchi huu, ekange na nongozi ujibi yao, awe maudwe roha, roha, ya honga wana toma, ukaya, kwa johufu mwando, kwa johushukuria, kwa uhimidie, wahambedua, iyo de muhimu ya ukaya rinje ranzi le 2 janvier do nanane mafungo hilinde hadisi imazoya si hadisa atarjati misi hepres ido mkuba shanga mu mshukuri yoni akanyika mtalakile pia akata subi kwa tena ndao marhaba menja ukaka mbaya mdiha mtalakile mbaya na jajoshi daribuwe shebana ukaya haini maanga lakilo rubuwa tuka nga mbaya uhamba abi mwajala dashmeri buwa kamizu kwa wende. Mwende, kabasi makalima menju panduwa hawini presi. Tizama kado zinji, shabese mwana kataka manuka toshile. Kamihu msiki niyana. Na, kanga mfanya uha zidiyo. Woko, na mkijama hala tao, mruya ameni mgu kangu fami hazi. Waka tizama kado zinji, ukanganyivana, na mfanyo hazi, woko ehazi mfanya oo ketushinda ya ngaliela mnazi mwaishi. Akaba majurnalisti mwa wengi, ngawe wa daula. Uliwa. Ketu mtosha, umashiku kaja jumtosha. Ngawe prive, ngewa mbuwe shiche. Mahalaru watu sumu. Ile uka utwe jurnalisti unawushinda uhuze, uliibe na mnazi ukawushinda uwe mprimera jurnalia waka wanadamu kwa tota wa sumu. Kujwa baba haini. Rajar ma internet na Facebook, hali kama rajar ma vyombo kama journal ba, kutungwa journal, account jo tre kutungwa journal, haba haka ukansi mo ni mtu na journal ya hali, hawe telefoni yangu mtanga le journal ibala, ngamulemba hivi ni mtanga le general, ende journal ibi hapa hivi, kwa upande huo e hazimfanya o, nu hazi muhimu, akati na jambo kaya, haba hawa mbaru kubali pia, kende puvari yangu, na yodi kuhu ingamu. Katimi uzamba kado zingi, kaji vankweli kufariani mkuu, si ukumisiringa mswali wa atanika mswali, mtu sada nika mafoto marika wana. Amdiyo teleza ufunga mdiyo simu. Nuhazi kuu, gamlega uriski zingi. Shana mkera, njyo kaya na tatamdo kawliwa, jurnalistika mbulanda, kama nebaha mbunde ya mungu, ola hafungwa kwa jorongo wewe ufungwa zito hapo na bala hapo jola ya bibi kagemwe nao tukufumlo nu akaganya harma namna woko mlapize mfanja mfanja muja akasu kutini fu mbrane kaza information abo conseiller ya tuma bandu azabandu nono kaya mtume bloka ya kabaja wangu
Changa muhambio, soti pia ngamabio, soti pia ngasini zoma na hiyo.
gasine domana yi wane mungé ni domana ni domana ha le bonde e hazim fanyao ninga miste amma bionda mzali ka miste yum sikniani ka ebanga mushuje yode ma ko lazima rekensi ritwani yode roli ku ya ka lazimi kena wa msempea wanga wa mtabora ntile honga jibana ukaya zeplensi za mwana wo yola lazimi bali yombeshe ministre wa he ministre ya jani one rihune shauri ya hata sati jeba mjazi bramba mpibiki babo kabati hatani ama babo kartina hata mkonsi wa hezo mwazi mpia na babo kabati mamu na babo kabati wizara zeruko pia hini uza hanu mwazi na wizara reka prive reka pibiki mange randile wa hizi wata kwezi anduwa hezo mpea mnge hazi la mnera di na mnge hezo mwana lazimu lewe inu msijeti atila umulo baga umra waradio ya mianuka na mpavu shahitu na mbana mamareta ya mbe kabudaza jokatara mkawa mpia msa mambara demi kolibu o wando to baradio waparaduka na mdemwane wafanya hajo ni sidi gaza mshaw kazi shika emilionada muahafa na mwaneza na mwaneza mwazimu wakato kutu zila wandisi ngeba karadio mbili kolibu yoshina kule solusyo hara yoshina solusyo hara weke haraka mwaze mpia mnegezo mwana zahani tizamba kamzile jayi tabi ya mwana nyanyakabani uka inuhazi ya lazimu mrende ya some hakangu amini naga mwambio nika inuhazi ni tukufu ya hazi fanyao inuhazi utukufu haka nga mwelezao hengu za nungozi ndele yao wawaima heza nongo nezito njema wangwa silekeze shale wa inu anama wa sampeyando huka na baraka ni mbatso kula habu wa radio hau habu wa tele neka habu wa Facebook kwa hivyo bebyani Chazine nga wa tatu ya lazimu sifanyike. Ni ambao profession, professionalism. Ya wa hali mdo kaunikiwa kata zoka wewe mtangazi. Ya wa hali mdo kaku njena devoir, njena na droit. Wa uwa fanya uza nungoza, na uwa da jonja ni hau na muangali, kwa hewezi liberti la mekai. Cha eske mwa nunga uza nungoza hau kwa tulunga. Iyo revyo tungalewe inu, esirikana katiso ya jila pizu, wakai fanya, fanya, fanya. Chamini kama mga juhundi hao msiri na ringwenda fungu Ika hafungwa nga wono ngo Nga justifia wakati justifia Zoko ili majeishi mejandarmu wabe wafanyi hazi Iwafanyi hela zimu wajafanyi hela zimu Sha, izozo nsipia nga wono tsogeza Sha, hautimizo ndo kena baraka Na mdo shukuria Nswami nikaza wo mahala Amuswami, amuwa nswami Mjogu liwa mnye mabize ngozila na mwenda harumi dawla haki ilo faranta mwapare mwende mwahina harumi dawla haki mwabeze mwende efeta wakao mwilo udo presidansi uto habaze mwazila yawe na emangyo yawe ya baki nuka mwini kapitalizi sheki kawaida basi mweka uja honu wanutu mwe udo kahuja umkwete siku uja usomo kuzimu kakuzimu yede kare siku harumaze mchizatu wapira Chikale nuhubuli wa huu, jaba nujahabaze nukosila Yabunga nto shukurie Babu gabonema kuu Erdo kufanaje enema inu Rilekeze irifai sotipia Iyo de dili, iyo de examebro nilu Mange hamara asaya, marhaba menji Hamara asaya, marhaba Mgunwa mwa hamanika Nabili fami, nondrulo nfazima Nimlegeze ni mwa mwa waheni Na baraka Nesimba janliye Rike na muo, rionenu, chambazo hafatiye kamuwa benzi. Arhuna niba nuwa hane kamuwa benzi, rije rambe, eza kiri nazibi, eza tukiri nazibi. Waka, njini, mwanawe deskuru nafanyi, fikiri kawala zimundu funyema nyonisi, pia kanja vungwa. Atikameza hei daula, zuninja zambo katae kufernu maza, tiantika njini dambu hamba nungo za daula, mwende mazambi. Yode zo mena hanyu. Na tuelezo mana hiyo kairia ruha ya rumai hazi na fanya hazi nirwaji. Ezo mana hanyo ndiyo, eda ula mwafanya wanro, mashallah, ekwa tufanya ndo tidehe jini. Na boko mdo sohambu ya ndafanyi. Kabati mdo kolozi mwarafu ka ndafanyi journalisti. Sane mbu hatungwa hindi hafanyi hazi hiyo. Ukatoka hindi hafanyi hazi. Awo huonu ka vanga mwa mwa inconvenient, vanga mwa mwa avantage. Basi avantage mwinji, haizo mfanyao, Hei daula, hei faida ilaula. Shati de mnariyane. Izo kweli. Timambiani nga mzijoka mtangia hondoro.
mangi opande wo tsawe uzamba ngo critique et majumino ya dahula ngabe dictature ngi onda hu kalwa lo toni bo fane zonzao ortose bo fane zonzao tika na directeur lo tena paron mani ya basa bo kaya mi utende somo la gaze tinge somo lo twa ambari bara kamunda rao na zapia no kaya mimi si hana changé de presse tu dois me c'est Je suis un peu plus de temps. De cette cérémonie, nous ouvrirons une série de questions avec le chef de l'État pour un point de presse. Comme annoncé par votre consoeur, vous n'avez pas toujours l'occasion de rencontrer le
président de la République. Et nous, Mahmoud, si vous pouvez m'assister, il faut un micro pour les journalistes qui vont intervenir. Nous prendrons une série de trois questions et une autre de trois questions. Je pense que je demanderai l'assistance pour ne pas dire que je choisis les journalistes. Oui. Je demanderai l'assistance d'un ami journaliste qui pourrait prendre les questions. Parce que je sais que tout le monde voudra poser une question. Excusez-moi. Ah, micro. Mahmoud, il a un micro, il va vous donner un micro. Moi, je dois. Bien, donc voilà, c'est un exercice très difficile parce que je ne sais pas qui choisir. J'ai trois questions, et c'est le temps de faire des temps, on ajoutera une troisième série. Donc on commencera par celle de M. Félix. Assalamu alaikum. Amade namna zatawa ni daktibi shimbabi. Kwa sina masuala mararu ya handani. Kau handaninga juhani siwa ni juzi siwa ni kemba. Wa jubahe jurnal alwatwan. Ngavo ya mananyasi Livuma wa hii uartisi. Ngavo wajawu na mananyasi Ibrahim Yusuf. Kemba. Wale mwanzo mazinji ni daula shambaka leo sur le terrain wa kumweli wa tabihao he maisha asbabu de zingi kao zipanda ni namna ikao ruziuzi wao zamba hakusha kwa leo ndo kanza juu eze anzma yana de muzirengo wa haraka ili wangu wa hubiri ya mara ya hindi ni ukaya ndo swala ku hena usiku ngelijao ze beinge ze yao ze anzma ze rongo zilisha mpaka leo inu wa kumweli wa tabihao inga wa anzma haraka tada de muzirengo. Et la ville a optimisé aussi des ressources foncières, donc nous avons des problèmes en cours. Nous avons des tables et des arbres. Nous avons des machins, nous avons des marins, nous avons des gens qui ont été en train de se faire tribunal spécial des ressources foncières. Les cadres jouent et les soirées, nous avons des gens qui ont été en train de se faire des ressources foncières, des arbres, des gens qui ont été en train de se faire. Salam alaikum, Monsieur le Président. Mimi le Swalerangu, Miru Harma, Essie Sabonze, et comme on a apporté au mois de février, au Kaya Rengeri Asahe, et au mois d'Afrique, et comme on a dit Harma, au Pandewa, et Arbi, à Mayonku, à Yonangangu, yo, nous avons dit Roku, yo, Tilo, Yangalis, et comme on a dit
ngiyo ngeji pangawa namna jeyo shinda yoro mhima amanda unu kwa duka ya yo nga kwa njuzi njisa mwa leba vila tuzi nji ye kumwari nga duko wambano kwa hindini kende ya tsambye ya mwa ezi dosye za Afrika nga duka nga kwa dosye za za mbwana nga kwa za wadi ye kumwari yo nga nzo bale hindini ye kumwari nga duko ingiyo tsindi nga hindi nga duko panga mikonti yo shinda resebiye yule so nga mkwasa Moi, j'aimerais bien que la question de mon confrère Ali Omar, que ce soit que vous répondiez en français pour que je puisse enregistrer au niveau de Mayotte. Ma question, j'insiste sur celle de Noma. Qu'est-ce que vous a poussé, monsieur le président, à concourir la présidence de l'Union africaine? Quel est l'intérêt que les Comoriens vont gagner sur cette course? Merci, M. le Président. Bwana Rais, na utukufu jibu ya masuala ya uranzi gani gasa. Ndani, ambesho marawe masuala, ni muhimu ya hao. Nani namna ya mjisiwa, mwenge mbekilo na hao. Hao masuala muhimu ni hongi. Mkaya, ila ndani, ila usu, ya la manshaha, ya indisi. Wazuma mbako tidi. Na huo, masalahu maili ngatangani hao mkaya hari wanda muna mwambili bahindu yale na mbabahani alali mbuna kemili harjari hata ya jonu warini mapesa la kanawu yala shakti hata hivaha mwende alali ya hunde bahindu yale bahanu wema ajula laki makini alimbahini laki makini mwengele suwala lahe ima shahe musiku alimlahe awli ya umasala maili shahu wajin Kadang mabiyun do kaya, kau masuk dalam macam ni, rono. Ilah anda ni, loti jiro aku, pasung ada main difisil. Abah anda ni do kaya, risukur yang ni. Memang ni kau zaman mana zombie. Kau zaman hangku ni ni, kau zaman kau bila minat. Ya hangku alhamdulillah, hati jemu dah bah, gamjai sama batawan sehole, awat awat gashi, awat awat gani. Andukaya ila bahindu ikaya. Na nyinga mjomziru wa jiri haruma COVID. Wajawa jiri haruma kudu haba haini. Ni mahala raka ule zimbe. Uwenji kwa tulima. Wala wakanizwa duwa hezebe. Shari jesil kali. Risala. Hena mna esili. Kutula swari himilia. Rifansha wiri. Rituvansione wanwa. Nungo huvezi ureje huza. Niruwa pasilite. Ziruske haju. Shaske hawanwa. Shanga mwanao nyutipia bahar meluni ya kamili, mwanao wa mizatu wa Faransa. Basaba hawa ziluao, mratipate mwenji haku, hawka every time uija, hawakana kawula mwenji. Mwengenu fono mani ilo har meluni ya kamili. Izoiru mbangu ndi izoiru kaya, ifanishabe hata wati itawe mbahi. Mwenje ukaya, legashi ikaya, mbahi ndwa ula ikaya. Upande huo, yodo mana ya hakuso ntipia. Akabo geladimu rifanya zafanya ata ezinu rizhula wonze rifanshawi nilime hunu kikando hula wonze leo kachuna lima tuhole shakti nilhuli mrovi wonze awruhulu mhogo awruhulu mbate awruhulu marunda awruhulu mafriyapa awruhulu mababai izwani yoshida rifanya huli yabo iyo dhwa manadali mbora zileo inu wanahaku riwankuraje na ujosoma waka inawali inesha Dekaeli waka yelima kudonde maisha haya. Lazima kukua hunda. Kena mnize lima bahiru wa hula, kabati tabu gedoro haka nguwa bahiru wa hula. Kwa hiyo, nembana handani, lukati fanshawri hata batike mbra wapenuire bahiru ikai. Yezabili ya tu fanya jelewe inu, ze pri, ze ka aksesif arwe marani. Yago, ngabo jawal, mnzi marwesu alai, lukati lewe ni mana ziru zilu handa, wazilu gonze. Shale wengi karlibao, bazuzi kazi nji. Kwanua yo sisa. Panaima ekonomisto baka muna baka ofro na demanda. Hanua kate ofro ilo nji e demandye tosi. Hanua kate ofro ilo baitere e demandye otu heya. Nge kare ulifashawiri ofro ikaya, zemuzikaya, basi abogazdosi, abaka ndo shinoni, wango hulendo vyo baka ya kilura lkada, joka, ode unara lkume, kuna hula, wende hula.
il y a des messages de Kanani, justement, en tout cas, Karawana, Karnomana, Chardo Kanzi, Wazima, Sionodima, Sidamundima, Sidinizima, Rishiliane, Rikundanzia, Idoka Muhimu, Heleo, Namaudu, Yahuana, comme nous l'avons dit. Le soir, les amis avons dit, nous, à la Chahé, disons, c'est toi, Bukaya, Evan Manakavita, il est passé. Nous sommes là, Chabo, Abdullah Yahya, vous avez dit, mais vous avez dit, 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 vous Il y a des gens qui ont été rendus compte de la vie 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 Watu soma, watu na hatu watawaringo arumiloni mafuchani. Hani iyo defin zero. Yada lima mduwa zangalini. Mwenge, ekane zaufa na zoka dema kikizu hapa. Shabo sisi ya doka nseptuwa liri wone. Etapu ya lagumuri ilunge. Lirisa wakumori pia. Mita ganihe. Harume hazinu ushimiti na. Miwasilishe kamizunga benze. Mwenge, narumba mungu febrebanu. Mwenketo wana iyo. Ekane nkiwayo ya vo rito hanza. Kato hamba. La communication de Tola, Haïnou, la régulation de Manahi, c'est le nom de Mbamgondizo, Emmanuel Baliwa, le cas de Owa, le cas de Gassouan Ziani, le cas de l'épouse Fatiha, Mouawa Sunishi, Samito Bakalozi, le cas de Ewe, Fatiha Najib. Je suis là. Ah, vous allez raconter tout le monde. Il y a un Samir Ojeniro à Rarwa. Salam alaikum. Je suis Mohamed Wahira de Domonien Tenia. On a raisonné ringuer ma émergence 2030 quand les années tombent et qu'il y a du cannibalisme à Saoul. 2027 la semaine Comori ringo Shaba wa ils ont baril hindi. Rapporteur joué au panneau des hôtels qu'on a dans le rongos courengeletzwa. Hôtel à la Malia mzuani amtsamlo iremonsi. Rapporteur joué babani mukui fikri à namnashesh. Marhab. Monsieur le Président,
Siono hama harmali swala lahi shehiri shahora isi wa umoja wa Afrika. Siono hama tujua ngawe muharamari hama ye ngori yohindi mara isi wala wabira hame mahamira rinu wajua wa RCC chikesevi makisan ngono kaya wafanya ngongo ikao ngasi hulindi tsao uka kuna ushinda ugumba nini si aksion kuu wazifanya mananja uona wabarara haku harwale swala halinu tuna mango rio tukanza nungre maelezo ya swala labili amdwani ama nsi se il modèle à l'américaine et les swala nja kanza tchumutuwe tufi haku les swala la hema insha madziro nese msajaja wa hizi bei namna hiyo na inflation hiyo harmaenti wa kumuringwa kozao halisi 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 usiruku rubanu ndolondo uzamba harma kutuba ya hao lakini chanza ukendami ya mkaya yes weekend gadushi dafani toe problem ikangaranza we kafakri ngwanzo hizi kwa maana za waziri wa hizi za ndani ikabiru ngwanzo zivumuga zuba dilia hakaya riziono wala juzi kama zokedami riziono wala juzi hame covid hili mkumori haka udungwa kashne mkumori wa starabiha waka udunga imagari alupare ni huu yu menchi rahana imaruka imagari alupare ni mga kontrole wao ni polisi ni gendarme pukwa imaruka sunjo kontrole wa ni polisi ni gendarme nsida we ukaya haini mahamu kanato juwa rienti polisi. Pourquoi disu nongo yuzo zon tuki pia gazi manchia? Zinu su mpofa nchia. Amanzo unangali. Hama efika. Yes we can. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Sur le président mina namasola wa yuwatiti. Le dima wa komori kasina mahabanu haina mkomori utwa mbabadi raisi haina usiku utupashia. Yani misafarangi omiji haku wa komori wa babu hao. Rijuhanzari juwe. Eba nuranziba ala hatabanu haina usiku safara e rezulta hindi. Ema runda hindi. Elabili azanti urala ni zohuja hawa mezirala ni zohuja ya rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hahisa hukumlo yabo nusu wangali yao haukaya ezabaki yao ya baki yao au gras ngofikirije bwana prezida kwezi bwana rais ngano tukufu tibu nisuna ya marasa maramba menji Alhamdulillah ya siwa masalamu murunon. Ya wo izawu intervasyonu alaja na ijawa. Mageza mgeza ara kama za bem kewe shi. Ngabo le wo mfumne mabunga sina konsei. Ngabo mabimara ya wo kitajarishi. Ba izuambezo kweli ka ukata ya covid zilfa shauri hata wangu steze ngo kwa familia ta covid tsawana we ta covid avele wa kaya kubie mo fanya au tambipo bala ho kama ya fat wange la ni hali kama ya kanam na kale wa ndu ya fanya tsa tambiska covid ya dari kam msomo au kaga da ka fungu wa tajiri na maskini muna mti chalo pia tukopas wange ila ika fasila ukai vire message na sisi ngar shukuri yao nyoti pia ni wa kumoro au kanga wa mahala kwa ya kau kirwesi ni hizi mwuzi anu wao nezi rezulta izwe kwa hiliri sangu hamvu sha emanazaki ni nabwa kubali mwge hamara saa nga mshukuri wa kumoli wa shindara mungana rawana neko duhila mwge awo hiyo kwa hiliri kwa midakoro kwa nono na kemfano harumeza munga tena presidenzi ya mwge kwa shobo bo fakir kaya magari mo tuzi magari, oshindo ni a
ancien président Sambi, Makama Ville, Valama de Jambaban, Kaya, Midechef, Makama, Nguzazir, Basi, si vous voulez, au Buata, procédez tout fan. Malade Makama, Nawema Kama, le Comore, Yauti Hang. Voilà, c'est là 2000 combien, c'est comme ici. Prendre quand après tant de résidents, il faut 2020 pour la musique de Yokushi. À la fois, on a dit que c'est un résident, ou un des, ou un Madagascar bloqué à Ville, ou un autre Madagascar ou un autre. Gaba est chanceux à tout, on dit 2027. On dit que c'est un résident, on dit que c'est un résident, on dit que c'est un résident, on dit que c'est 2023. Et je cache des failles. Le cas où l'on a au cadre de ma tourisme, je vais faire un peu. Mais il y a aussi le thème. Et quand il y a un mois de capital, le programme est un peu plus rapide. Chaque fois, il y a un peu plus de temps. Il y a une infrastructure qui est en train de se faire. Ils ont dit ça. Chaque fois, il y a un peu plus de temps. C'est 2027. Il y a un programme. Il y a un peu plus de temps. Ils ont joué. Ils ont aussi un bien. Il y a une expérience. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu par rapport. Ya huwa nguwao kukarifikiri mahala ujulala wa shidu wa kweba karisifikiriu weza bakindi zulu rumbe mungu mnezi mwajari wa swili rumbe mungu zi mzahe ya emergency suwa la usiswa ya mbesi na tweji ya ukaramba emergency na zi 2016 na kaujani tsaho aminifuwa ni mkumori rija 2016 rija mjiharma za asili za 2018 rajawe na tanziani 2019 rija tenari kwa aminifu Oui, rende Paris, de faire une conférence de Berne de Fond. Je ne sais pas si je vais annoncer ma personne à l'Italie. Pourquoi je vais faire une conférence de Paris, je vais faire une conférence de Paris. 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 Je vais faire une sensibilizo wandu jeshi tijanziani yole mana hii misafari mba wakarabaraka kama kini banjo na haruma turizmi kama kini mba wakababa hao mdunge haruma uone facebook ya mguwe mara ulio ekati paruda plash mahanu ekati paruda ati haruma turizmi nuhambi yoka ya ila devuat ila devuat chayo tinyangu upashika utinyangu maha mengi mchile shaa hali kabubira Panga malaku kwa waziri utoenda malaku na kumraisi. Wake namjita yarishete na hama da mazali kita yarisha ba ababa hemi Afrikani abo emirohi kwa kamini mshile. Wake namjita yarisha mtoto na sepatiha. Emuhimu chini kama mbwa roha.
baiki wa kumoro ba kaini roha bure ana kansi bure chaka na roha bure kama hizo kwa Kristo inshallah ye prevo avec mon uka ze projet sanjanziani ze zaga spanyola et le télé que la fanga ngo za sato fanywa le oze projet phare la aéroport ne pour du kumbu wa roba ojo zifanya toje kwa jara kartoro habure uja na shide kwa shule kama kavenze ambwa chalie emroho inu nyami da kone binawe Donc ma première question, Monsieur le Président, c'est une question d'actualité nationale. On est à quelques mois des élections des présidentielles 2024. La question, je pense que les Comoriens sont assoiffés de savoir, est-ce que, Monsieur le Président, vous allez prendre part, vous allez être candidat aux prochaines élections présidentielles. On a aussi remarqué que votre fils est conseiller privé, Nour El Fat, est très avancé, ou je dirais très présent sur le terrain, sur toutes les négociations diplomatiques au niveau mondial ainsi que national. Est-ce que les Comoriens doivent aussi s'attendre à une candidature de sa part? Une seconde question, Monsieur le Président, une question d'actualité continentale qui concerne votre présidence à l'Union africaine. À savoir, Monsieur le Président, je pense que vous l'avez si bien dit ici, que vous avez besoin du soutien de tout un chacun pour réussir la mission qui sera la vôtre à partir de février 2023. Ne serait-il pas temps de faire appel aux différents, que ce soit les opposants, que ce soit la diaspora, ou que ce soit la société civile, afin de tous ensemble unir vos forces et compétences pour réussir votre mission? Merci beaucoup. Suivante, Rabia Dabdala, rédactrice en chef, venez, rédactrice en chef, voyez la deux et un. Salam alaikum, Samane Rita Samaha et Namnesa Tilawa, comme je vois ma voix et Namnarima. Chale Solalangou, Monsieur le Président, les Bakia Mouemakam. Najua ukaya ya zinongozi lo shiba haku hamua Komori lele suala la heze vyoli. Wanangu wangamizi wao haku bagole suala la mbo hitu. Kama tuwira wa mwizi ya mwizi mili nga songwe shambu ya chambushonode hapa. Ye kumte surete wa fanya mahakama ikawo wangua ya rebea koti. Ukaya watuwaze hukuma za wangua vyole, watuwaze hukuma za wangua wa hitu. Et Badi, Yubaki, Monsieur le Président. Il y a encore un roi, Samini, Hao, Ruidwa et Charien. Amade Namna et Kuria Toye. Et Zehuk Bazhao. Shaunda et Makatianu, Armoan Wakum Lawa, Hataleo, Kamati, résultat Yalawa. On voit le Sao Kazinu, Kazi Tsuni Kawanu, Itisu. Après, on demande Haini Wakatu, Sukuhasha, ou tu es Shamana Violewa, Mwana, Mundu Hatlua Shonode. Kabati chiso. Ile suala lo olirengo na mnajetu. Nga ule suala la husu ya maisha maziru. Kwa mjuri samii manalo suala ikawongi lo ziru haku. Mpaka yao de maisha ya usiku ya huo. Ikanga wa maziru lazima wanu wayatafuni haini wakati. Mimi ambaki hamwale suala la heshe ireo.
urongoya boka ya harume konsei nga mjohuzi hadisi ya ulazima rimbe mshieni haurajia na mnaza nongozi liyo mje mjue na mna mjohuzi hadisi nga tujoka shero shankuhu mshona rumaksusu wa shiwa gizao mimini vano haja mkuhu ikawu kuziwa nga tujua mba mia mjo tonfano wa faridi haka ukuza le makafto mkuhu wala kuru 12,500 Chaye ele karton ka wasule raia ha 15,000 francs et raia ka kula kilo ngu ha 2,000 francs ele su ala longa mliona o jao ka o imaranya ngu ha ha ka ke bei ya ko mori ke tusi ha abo rikanza ri juwe ze mezuri mjo ka uzire nga manangi zo palliatif nge lazimu zike definitif deja ako imaranya wa sawa limeo salamu alaikum karibu Monsieur le Président, salam alaikum. Madame Swala Maïd, Swala Mando, il y a Rassina Kateria Mouizivano, qui va voter aux lois et qui a exclu les magistrats nationaux quand on a ma candidat à Mouizivano. Je suis rappelé que la diaspora a contribué 96 milliards de francs de 2021 à 2022 selon les rapports de la Banque Centrale. Est-ce que, effectivement, il y a un an, dans l'élection, ou changer les règles du jeu, qui nous sommes dans le ou déjà sur l'élection, et quand on dit au Kaya, sur la ville, et ancien président Sambi, à Jujewa, on estime que le procès est équitable. Êtes-vous conscient au Kaya, avant nous, et quand on a eu le cas, ou pas, ou vous dites qu'il est ou ici, ou à Mahab? Et bonus, c'est vers Mika Wenze, Madame Fatah, Karim. Chamo kitukufu chombo la imani salamu alaykum firo hoyo na kufunta siya kongabo isu kingi kija kujumba lesu ala langu la mwandu wa muziso nzuzi sarais shanga muziso waziro haku waziro wa matangazo ikandu kongi nji na ukini ya nukon fante presi ya president de la republique marhaba nji amge lesu ala ila joka la bilinga likola mwandu nga muziso sedina rais mtu kufuwa wakwezi wakumuli wenji ya madina mnarizi wao mwa jifereshi yao mwa unawe sheo ya ukaya ikumuru ni mbiyo mbele bara ima tira isa azali waichi kinyume na hizo mwa zijua nonono rana mi mwa sumwe magazeti ya undo walo kinyume na wika wao siwanze ike nga mnongona ya ku mwa watu janda ushele wano usiku nge ujende wa mwe hama conference de presse zi radio zemba waza matanga zonti mwa zone sao mwa ukinyume ya ku no kawa silvano madabu wendio wakili NC izonga zirangua kwa e ma editorialist wa Afrika na no Europa onzi kwa tiki nyume e mara isishiri ni waruma randita gombeki baifu wa kungulo wa naruma nikao izo wafanya zontu dantiti haku randita gombeki ya teje wa shidi makisazi kabati mdu ya fereshewa ni tika zonrago ni nsi yae kabati mdu ya fereshewa ni Afrika yenga mzimu ya weka leora isazali ushindi uwasulia ufanya mnantula umzanga weka kwa mungu abungesu alaha mbunga jireji wangu emana nimo mbungu wa mutarika ya karaisu wa Namibia onesa ukawa katia kawushulia leo Namibia maugu komori mnyezi mungu wa mkeba hati leo ni kutuanda hili ngufikiri ujitafautishe mwabira hauka kwa jari mwakoti wassalamu alaikum maraba menji ya mungu mungu mekoti mungu mekoti مرحبا Si vous ne la posez pas, j'allais me la poser moi-même et la répondre. Les échéances électorales de 2024, on connaît un an des élections présidentielles et deux ans législatives. Je l'ai dit et je le répète pour conclure que assumez vos responsabilités, mes chers compatriotes. Et faisons plus. Par rapport à ce qu'on a fait. J'ai été investi
le 26 mai 2022. Mon successeur a été investi le 26 mai 2006. Et lui aussi, il a été remplacé le 26 mai 2011. Après m'avoir reposé pendant 10 ans, je suis revenu investi encore le 26 mai 2006. On a modifié la constitution, j'ai démissionné, on a fait des élections, et j'ai été investi aussi le 26 mai 2018. Mon rêve le plus cher, c'est que le prochain président soit investi le 26 mai 2024. Ça prouve qu'on est dans la bonne voie, qu'on a le bon argent. Allez fouiller, demander à Google, demander à je ne sais pas qui, combien de pays dans le monde ils ont une date ultime qui n'a jamais changé, auquel il faut le remettre. J'en connais un des États-Unis. Peut-être un deuxième, la France, je ne sais pas. Mais allez vérifier, vous allez voir. Nous sommes prêts à son aucune, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Et ça, ce n'est pas hasard. Si c'est vrai, c'est moi qui ai inspiré. C'est moi qui ai lancé la machine. Mais parce que les Comoriens, vous avez été tous derrière moi, vous avez été d'accord, c'est pourquoi on arrive à ce moment-là. Donc effectivement, les élections de 2024, on doit tout faire pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et tirer les leçons des élections passées. Parce que malheureusement, chez nous en Afrique, à chaque fois qu'il y a des élections, c'est le moment de se quereller, c'est le moment de se tirailler. Alors que dans notre pays, on se prépare en amont. Il y a des élections, on se prépare. Les étudiants, chacun prend ses responsabilités pour y aller. Mais si on veut des élections, mais à chaque fois qu'ils sont là, on ne veut pas qu'on fasse des élections. Qu'est-ce qu'on veut? Allez, président, part. Vous attendez ce que dit Dawla Haki. Rohanza. 2024, c'est tout. Est-ce que vous allez accepter de venir participer aux élections? Vous allez faire comme a dit Maman, il a dit que dans sa république de Gongwanda, quand il y a des élections, les opposants n'acceptent pas d'être réunis à avoir un représentant. Se sont concertés, se disent non, c'est pas la peine, chacun va être candidat. Mais quand le procureur, quand le procureur va gagner, c'est à ce moment-là qu'on va être unis contre lui. Vous n'avez pas compris, hein? Quand les élections sont là, au lieu que l'opposition s'unit pour avoir un candidat à affronter le candidat au pouvoir, ils se dispersent. Et dès que les candidats gagnent, c'est là qu'ils s'unissent contre eux. C'est pas ça. Donc effectivement, nous on va prendre toutes les mesures. Et c'est pourquoi on a fait un dialogue par rapport à ces problématiques. Et c'est pourquoi effectivement, le principal, on a voulu le lancer avant qu'on aille dans ce scrutin pour ne pas avoir un peu de mélange. Donc on a tout fait pour que ces élections se fassent dans des bonnes conditions. J'ai commencé à discuter avec Mme Mawa, représentante de l'Union africaine. Elle va venir ici. On va essayer de discuter par rapport à ces élections. Ce que j'ose espérer, c'est qu'effectivement, les gens qui sont pressés de me faire partir, qu'ils pensent que nous, on espère que celui qui part, il ne part pas des élections. Et celui qui est bien, qui vient par des élections. Voilà l'espoir que nous avons. Voilà ce que nous avons essayé d'édifier. Et que nous voulons que vous preniez le relais. Regardez ce qui se passe ailleurs. Des pays qui ont eu l'indépendance il y a 65 ans. Nous, c'est 48 ans. En un an, il y a eu 3 coups d'État. Ces pays-là qui ont été des pénurettes, là, ils ont fait une chute en arrière. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ce qui arrive là-bas, on ne l'espère pas, on va faire en sorte que ça n'arrive pas, mais il faut tirer toutes les leçons. Et savoir qu'on a prôné la démocratie, c'est vrai, c'est le meilleur chemin à suivre, mais il faut que tout le monde s'investisse. Et la démocratie, c'est ça. Il y a des gens qui sont au pouvoir, il y a ceux qui ne sont pas. Ça, c'est la démocratie. Mais un seul pouvoir, ce n'est pas de la démocratie. Donc, ceux qui ne sont pas au pouvoir, effectivement, c'est d'ailleurs de faire en sorte qu'il revienne. Sans prétention aucune. En 2006, j'ai quitté le pouvoir. Dites-moi qui a entendu que j'ai fait quoi ou quoi. J'ai une invitation
J'ai lancé des pierres, j'ai barré des routes, non. J'étais dans les villes, dans les coins de ville, des villages, des coins. Je discutais pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et même mes représentants qui étaient là, que ce soit Sambi ou Clir, j'étais venu ici les voir et discuter avec eux. Mais personne n'a entendu que j'ai jeté quoi que ce soit. Mais ça a bien payé. Je fais que le Congrès m'a fait confiance. Donc, les opposants, ce sont vos frères, ce sont vos soeurs, vos frères, vos parents. Il faut les conseiller. Car le moment est venu de se préparer pour que ces élections se passent d'abord dans de bonnes conditions, dans la paix, la sérénité, pour l'intérêt du pays. Parce que le bloc convergent qu'on a clamé, si ces élections-là ne se passent pas dans de bonnes conditions, malheureusement, ça risque de plomber. Mais si ça se passe dans de bonnes conditions, au contraire, ça va donner un bel élan. Et ça, c'est tout le monde qui va en gagner. Donc, par rapport au conseil privé, c'est un conseil privé, il ne faut pas rentrer dans les affaires privées. Maintenant, par rapport à la question qui est encore posée pour l'Union africaine et l'accompagnement, bon, ça, on va se répéter, mais sur le bien, ne garde pas la sauce. Ah, c'est un challenge qui n'est pas facile. Nous, on fera tout, puisqu'on sait que nos moyens sont limités. Nous sommes limités, donc on a besoin de l'appui. On a sculpté partout, donc les gens sont disponibles à nous accompagner. Et on pense y arriver, et comme ça a été dit, il y a une multitude de problèmes en Afrique. Donc c'est à nous de nous polariser sur un objectif. Donc, permettez-moi de ne pas le dire maintenant, parce que je pense à continuer. Mais lorsque j'occuperai ce poste-là, effectivement, je serai dans l'obligation de déterminer mon agenda. À partir de cet agenda-là, essayer de faire en sorte, comme vous l'avez dit, hein, que lorsqu'on va quitter ce pouvoir-là, non seulement les Comoriens vont apprécier ce qui a été fait, mais pourquoi pas la région et pourquoi pas l'Afrique. J'espère qu'on arrivera, Inch'Allah. Par rapport à la justice, très sincèrement, rassurez-vous, moi je suis ébahi par ce problème. Un problème à la cam, l'histoire vient m'inspirer. Yo, partage. Nous sommes à Kabuzine, comme je le dis. Kaya, Komori, Mwenatuanzim, Wewa, on oublie. Vous voyez, nous, les grands mères, madame, la demande d'aller, madame, chez Wamboum Raj. Moi, j'allais, tu vois, sur les Mahalata, comme tu vois, le madame, tu vois, j'allais, on s'est là. Le Cameroun, madame, je suis là, je suis là, je suis là. Mais je suis là, je suis là, Malaisie, Kaye, Yo, Wajibu, Yaha, tout son type. Et quand vous l'avez, madame, ha, vous me sauvez, ça vous me l'avez. Et de ha, l'ola, mou, y'a tout l'aide, là, à vous l'y a ça. Et quand vous l'avez, madame, madame, je vous me l'avez, à l'ola, m'ou bandit, à vous l'y a ça. Donc, j'ai le voisinou, avant de dire que je suis à la Yamba. À cause de Jérôme Libani, ça peut en aller dire au bon titre. Nam tafallah, le gars de Mahakama est ce qu'on a lourdeur, Harmas a mis à 5 ou bien à tout au fagna. Je ne m'en ai pas dit à mon hamba, vous voulez même mon code, parce que Hamza n'a qu'à faire un haut tabian. Mahakama va jouer, on va jouer à tout. Ça fait de voir, un briquillo. Rabon d'eau, un tisan. Rabon d'eau, un peu de bain. Ah, vous parlez chef du village, car j'ai ou 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 j'ai Léonis a été le plus de la chaleur et nous, comme Gina ou Kodahon,
une branchia, une ongona ou d'azea à Tija. Et quand vous avez un macabula, parce qu'on voit la solution, on a hâte de bien baiser d'agir. Ya, vous y a un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un Chao pia kwa nabu fanya hasi yo kaka mnyasangani. Ukati hiyo. Kati zura hamba. Nasifanyo nizo mwanza hawa. Ikaito kama mshindi ya. Babu hamba haa jafa na kujari huo. Lazima renge sarisi yo. Yoka example. Mbaja aleza mwezo stijiriti na kamisa mbaka. Mwengenga mumrasureu ni kai yopro kupaso majers. Ini mundawa kami miti zaya na bina wana mina wajuku. Amina nasho hangu. Wana nawashe. Walo ya abu, mage ezda jihula, ezda nambiara kakanda ujiru huza baki. Mage yonu kwa ya pia ni mbranga liye mge na bidakon, ane zanu kwa hamba ka lazmari kyo prokipe, lazmari mbranga kyo manahe, ahunda abi, ne mahakama, ne jandarmeri, ne mamiliteri, shatena, komijini, ne mnu na renge, ezo manahe. Pandewahe mabawa, alors, quand on a su Allah, ça a balayé du boulot. Chaque jour, nous avons fait un bureau. Nous avons fait un bureau. À son biashara.